Hey tout le monde, c'est toi comme allez-vous? Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur RHC Games. Ça change un petit peu du Epicube, je vous l'accorde. Et aujourd'hui on va faire de l'Ultra Lucky. Alors l'Ultra Lucky, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je pense que vous connaissez d'ailleurs tous le Lucky Défi, donc d'ailleurs vous pouvez les voir sur ma chaîne, hein, je l'ai fait. Donc en fait là c'est sur le même principe, sauf en multijoueur, et surtout sans le mode Lucky Défi, donc ils ont réussi à reproduire grâce à un ressource pack les Lucky Défis. Ce qui est, enfin les Lucky Blocks, pardon. Ce qui est toujours très intéressant de voir comment est-ce que les développeurs font. Notamment, là, vous pouvez voir, voilà, c'est un petit peu designé. Donc, voilà, que dire d'autre, tout simplement. Donc, on est sur RHC Games, toutes les informations de serveur sont dans la description, parce que moi, j'arrive même plus à parler. Et sur ce, bah, c'est parti. Go. Alors, vous voyez, donc, là, il me propose d'installer le ressource pack. Donc, bien sûr, je lui dis oui, parce que sinon, c'est un petit peu moins cool de jouer, un peu moins sympa, mais c'est jouable, hein. Très bien, il ne veut pas me l'installer, donc ça normalement ce sont des Lucky Blocks, mais bon là il veut pas me l'installer, écoutez, on va pas lui reprocher ça, mais voilà, donc on va attendre qu'il y ait suffisamment de joueurs. Allez, c'est parti, ça commence dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, donc on a une pioche. Et donc voilà, donc on mine les blocs de champignons. Bon, normalement, ce sont des lucky blocks. Mais là, j'ai un problème de ressources pack. Je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, ça fait exactement comme pour les Lucky Blocks. Enfin, pour le Lucky Défi, pardon. Sauf que là, bah, c'est un multijoueur, ce qui reste tout de même toujours beaucoup plus sympa. C'est parti. Et donc, le but, donc je pense que voilà, je vais parler en connaissance de cause, parce que je pense que tout le monde a déjà regardé un Lucky Défi. C'est de miner donc tous les blocs de notre couloir. Et d'arriver, en l'occurrence, ici, le premier. Enfin, être le premier à franchir la ligne d'arrivée. En ayant bien entendu miné tous ces Lucky Blocks. Ce qui vous avoue est assez compliqué. Allez, pour le moment on est très bien. Pour le moment ça va. On n'a rien eu de bien méchant. Et merde. Forcément il fallait que quelqu'un se foire bien entendu. Oh putain. Et forcément cette personne et moi, sachant qu'en plus on a la deux sorcières même, j'ai vu là, qui sont derrière nous. Qui compliquent la chose. Bon pour le moment on est premier parce qu'on voilà, vous pouvez le voir d'ailleurs sur le scoreboard à droite. On est premier. Donc là, donc ici c'est il y a des blocs invisibles. Hein. Je ne cheat pas. Donc voilà. Donc là on a obtenu du speed et du hast. Le hast toujours bien pratique. Très bien, j'ai une explosion spontanée donc qui est toujours bien pratique, mais là je ne l'ai plus. Voilà, donc là on a une explosion spontanée hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, c'est simplement tu mines le bloc, t'as pas de chance, tu crèves. Je peux pas être plus précis, c'est tu crèves. Voilà, tout simplement. Alors, on va remettre la musique. La musique qui apporte toujours une petite touche musicale bien sympathique, me direz-vous. Pourquoi est-ce que je prends cette voie? Je n'en sais rien. Hein, je vous invite à contacter le secrétariat au 3630 pour plus d'informations. Voilà. Il faut que j'arrête avec les délires IRL dans les vidéos, par contre. Parce que du coup, en fait, vous ne comprenez rien. Oh putain, on n'a pas de chance. Et du coup, c'est assez embêtant. Voilà, donc on a encore eu une explosion spontanée. Mais on reste premier. Donc à croire qu'on est, malgré nos deux explosions spontanées d'affilée, on reste même bien chanceux. Ce qui est très avantageux pour nous. Donc sachant qu'on a quand même une limite de temps maximal. On peut le voir sur le scoreboard à droite, temps restant. Là, actuellement, il nous reste 12 minutes 10 secondes grosso. Pour atteindre la ligne d'arrivée. Sinon, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que j'ai jamais atteint le temps restant. Le mec qui a bien bossé sa vidéo. Voilà. Mais pour le coup, non, je ne sais pas. Pff, putain, j'ai eu peur. Ok.
Ok. You are so lucky, thank you. Ok, oh putain. Alors là, c'est un magma cube qui est un petit peu modifié, donc qui fait très mal, hein, pour ceux qui ne capichent pas et qui n'ont jamais joué au jeu, hein, c'est aussi, c'est possible. Vous avez peu de chance de vous en sortir avec un magma cube ou un slime, même il y a aussi. C'est très difficile de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils font extrêmement mal. Vous voyez bien, il m'a tout shot. Donc il vous met en un seul coup à midlife. Donc voilà, ce qui reste très compliqué tout de même. Donc voilà. Mais on reste. Ah non, ça y est, il y a Mixasma, je pense que c'est ton pseudo, qui nous rattrape. Et on va. Merde. Finalement, on va pas le rattraper en fait. 8, 7, il va peut-être gagner. Donc, sachant que la partie s'arrête au bout du 3ème, c'est-à-dire qu'il y en a 3 qui ont atteint la ligne d'arrivée, le jeu est terminé. Donc, ça va pas jusqu'à la fin. Enfin. Bon, apparemment, c'est bon, il a eu de la malchance, il mine plus de blocs. Tant mieux pour nous. Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je vois ça dans le scoreboard à droite, dans les blocs restants. Donc, on voit les blocs restants à tous les joueurs. Moi, personnellement, je suis en vert. Le cœur vert, c'est moi. Donc, voilà. Pam, 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 pam. Oh merde. Sachant qu'on est obligé de miner tous les blocs, hein. On peut pas attendre la ligne d'arrivée, sinon c'est bloqué, on va dire. Putain, ces araignées ont deux murs. Oula, oula, là on est bon, là on est bon. On est mort, il nous reste deux blocs. Deux blocs. Seulement deux, on est premier, on voyait la ligne d'arrivée devant. Si même vous faites pause et que vous revenez en arrière, vous pourrez apercevoir la ligne d'arrivée. Je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai été tué pour le coup, parce qu'il y avait pas de, je pense qu'il y avait des spiders éventuellement qui nous suivaient tout à l'heure, parce que je vous rappelle qu'elles peuvent monter au mur et par conséquent également aux barrières, ce qui est très chiant, hein, avec les. Oui, alors je suis passé par en haut. Me demandez pas pourquoi, je sais même pas pourquoi. Mais bon. Ah, notre plus grand concurrent qui vient de. Très bien. J'ai sauté comme un con. Notre plus grand concurrent qui vient de quitter la partie. Qui a visiblement fait ce qu'on appelle dans le jargon un rush kit. Voilà. Mais je le comprends en même temps, hein. Mais bon. Du coup, ça nous enlève quand même un gros candidat. Et je pense qu'on peut avoir la première place. Sachant que je vous informe que chez Mela, j'y arrive. C'est une première. Et c'est la première, en plus, je l'ai fait en vidéo. Donc c'est nickel. C'est parti, go. Parce que si on passe par en bas, on pourrait peut-être prendre des dégâts inutiles. Monsieur Mélange, j'en ai pris un, vous m'avez compris. Donc je rappelle un petit peu. Donc je précise qu'on ne peut pas régénérer. Merde, putain, sa vie. C'est parce qu'on est sur UHC Games. Pour ceux qui ne sachent pas, tous les mini-jeux d'UHC Games, comme son nom l'indique d'ailleurs, sont en UHC, en ultra hardcore. Par conséquent, on ne peut se régénérer que par le biais des pommes d'or et des potions. Et éventuellement, commande d'administrateur, mais bon, ça, c'est pas très vanilla, donc on ne le cite pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça, on n'y pense pas souvent, mais tu peux également te régénérer par ça. Mais bon, mes chemins principalement, on se régénère toujours par les pommes d'or et les potions dans des UHC, à part ce qu'on s'appelle administrateur.com. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas tout ce que je dis, c'est normal, c'est en partie des délires IRL. Enfin, des délires IRL. Oui, enfin, des trucs qui viennent de l'IRL, putain. Il nous reste un bloc. Si jamais un poney saoulant ou un poney saoulé, d'accord, il doit être copain, nous rattrape. Je pense plus un poulet, ouais, enfin n'importe quel joueur même, nous rattrape. Je pense que je pète un câble, mais genre instant. Vous voyez, il me reste un fucking bloc. J'ai jamais été aussi près de l'arrivée. Premier, parce que forcément j'ai déjà gagné des parties, troisième, deuxième. Je suis encore passé par en haut. Voilà. Je disais, avant d'être interrompu par ce passage en haut. Oui, donc j'ai déjà remporté des parties deuxième, troisième, mais jamais gagné premier. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous dis que j'étais si proche. Moi, un poney soufflant, je crois, à ma gauche, qui est juste à gauche. Oh putain. Non, non, à ma gauche, c'est Xalo PVP. Excuse-moi. Et Tommy Gamer 24 qui nous rattrape dangereusement. Mais je pense que. Oh putain. Non, 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 non.
C'est bon, apparemment il a eu un problème. Il a eu un problème, on a une chance. Il a eu un problème. Un poney saoulant. Rattrape. Hop. On s'est fait doubler par TommyGamer24. Non. J'ai les boules. Pourquoi? Parce que j'ai dominé clairement toute la partie. À part mon dé où il y a l'autre, mais là après que c'est Barry qui m'a fait peur. Et là sur la fin, il y a TommyGamer qui débarque. Qui fait nope. Toi tu gagneras pas. Et il m'a clairement tout shot, j'ai envie de dire. Il m'a défoncé. Eh, je vous jure que j'arrive pas deuxième, troisième, je pète un câble. Enfin, troisième, je pense que ça peut le faire, mais j'arrive pas second. Je pète un câble. J'ai dominé toute la partie. Et je termine même pas premier. Alors, ça me fout les boules. Donc, on ne sera pas premier, malheureusement. Mais peut-être la prochaine partie. Je l'espère, du moins. Oui, je l'ai fait comme une merde. Et alors ? Le saut, je parle. Ouais. Un poney saoulant qui, visiblement, n'y arrive pas. Tant mieux. Il semblait que là, comme vous pouvez le voir dans ce report, il me reste 0 bloc. J'ai juste à passer la ligne arrivée. Et c'est bon, quoi. Et c'est pour ça que j'ai encore plus les boules, en fait. Donc, si ça se trouve... j'aurais pas eu l'explosion instantanée au dernier bloc. J'aurais pu passer à une arrivée. J'aurais peut-être pu gagner parce que c'était vraiment joué à une fraction de seconde. Pour le coup. Voilà. Oh putain, un poney saoulant à 2 blocs. En espérant qu'il me fasse pas le même coup que... Non, je pense pas. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est second. On est deuxième. Bon, je suis déçu. Je suis déçu. Pourquoi ? J'ai dominé toute la partie. Je vais le redire. Mais j'ai dominé toute la partie, je termine second. C'est dommage. Mais bravo quand même à TommyGamer24, qui est encore d'ailleurs là dans la game, comme on peut le voir. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même réussi à faire une remontée, parce qu'il n'était pas dans les premiers. Hein. Il a quand même réussi à remonter d'une vitesse phénoménale. Je ne l'ai pas vu arriver. Je n'ai vu arriver que quand il était derrière moi. Et aussi quand il m'a vaincu. Hein. Donc voilà, donc là vous pouvez voir donc les différents couloirs. Vous voyez donc on avait aussi ça hein, dans le Lucky Défi, ça aussi. Donc c'est vraiment repris du Lucky Défi, mais ils ont quand même fait des modifications, forcément. Voilà. Donc voilà. On va se refaire une game. Ouais, on va se refaire une partie, mais on a le pouvoir, la possibilité. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, go. Et c'est reparti donc sur la même map, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Mais il y a différentes maps sur le jeu. Il y a la map Nether, il y a la map Prairie, je crois. Voilà, enfin, il y a 3 ou 4 maps. Allez, il y a 3 ou 4 maps. Donc là, en l'occurrence, bon, pas de chance, on est tombé 2 fois sur la map Nether. Ouais.
Attends. Ah ça c'est pareil, ça c'est moi et ma chance. Hein. Oh putain, il y a un peu je retombe. Là on prend du retard. Pourquoi? Parce qu'on est coincé. Ouais, il faudra passer comme... Voilà, c'est là qu'on retrouve mes talents de jump. Oh putain. En plus c'est un truc de lave, donc du coup je ne peux pas casser. Parce que sinon la lave va tomber, ça va être encore plus l'enfer. Voilà, c'est bon. Maintenant par contre on a l'interaction de crever parce que j'ai pas envie de refaire le truc. Hop. Nice. Allez, 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 on enchaîne. Il y a la witch qui nous suit. Les chats qui font mal. Attention, ils sont agressifs. Là, on a eu de la régène. On va attendre de mettre full life. Ça va. On est chanceux, on est chanceux. Plutôt chanceux, on a rattrapé notre retard. Oh les chats. Le chat qui m'a poussé dans la... Dans les toiles d'araignée. Oui, j'oublie mes mots. Oui, problème. Oh putain, non, pas lui. Oh, ouais, je vous l'avais dit, nous, tout shot. Et du coup, on est reparti pour affronter... Ah, c'est bon. J'y suis beaucoup mieux arrivé que la première fois. Heureusement, parce que là, on n'a pas de temps à perdre. On est second. Il y a un poney sous l'eau qui est devant nous. Et PapaGamer09 qui est derrière. Là c'est un petit peu plus serré qu'à la game d'avant. Ouais, la game d'avant clairement on disait, je les avais tous déglingués de plus de 10 blocs. Enfin de 10 blocs à peu près. Voilà, vous m'avez compris. Est-ce que si on ne se fait pas voir. Nickel. C'est parti. Allez, on esquive les bonhommes de neige. Explosion spontanée. On a définitivement pas eu de chance avec ces explosions spontanées. Parce que là on a eu 3, même voire 4 sur les deux games. Ce qui est quand même assez dommage. Sinon ça va. Franchement ça va. On n'a pas eu des trucs sordides où tu perds du temps et où tu meurs. Parce qu'il y a des trucs sordides vraiment où tu mets du temps à crever. Genre par noyade. Où t'es obligé clairement de crever par noyade, t'as pas le choix. Et ça prend du temps. Donc en fait tu perds encore plus de temps. Et ça vraiment, bah c'est chiant. Eh, je me suis fait tuer par des chats quand même. Voilà. Et c'est pour ça que vraiment, l'explosion spontanée, en fait, ça va. Parce que bon, c'est sûr que jamais tu peux ne pas l'avoir, t'es contre. Mais c'est mieux d'avoir ça que être mort et que le truc où tu dois te noyer. Je pense que certains voient de quoi je parle. Parce que bon. Bon. Je perds du temps à refaire le parcours jusqu'à là où tu t'es arrêté. Mais. Tu perds pas de temps à mourir en fait. On est déjà mid-life, hein, on n'a même pas atteint le truc. C'est parti. Hop. Go. Hop, maintenant jumpers qui sont revenus. Je vais crever. You are so lucky, thank you. Regarde en haut. Oh. Alors pourquoi est-ce que je saute, vous me direz? Parce qu'en fait, parfois, ça peut être des enclumes ou de la lave, il me semble. Donc, je vais essayer des enclumes, tu peux les esquiver comme ça en sautant. C'est pour ça. Et vu que je vois pas tout de suite, je vais essayer de la lave ou du... Hop. Je vais essayer de la lave ou des enclumes. Je saute comme ça, moi, je suis sûr. Technique sauto. Tac, allez, c'est parti, on va aller rejoindre un poney sous l'eau à 9, un poney sous lait à 12, moi-même à 20, et monsieur Lopi à 21. Tommy est également à 21. Mais ça peut le faire. On peut le faire pour la troisième place, éventuellement, je parle. Bon, pareil, on n'est pas du tout chanceux pour le coup, là, sur les jumps. Super pioche, ok.
Donc les textures sont buggées, pourquoi? Parce que j'ai un ressource pack 1.9, 1.10 et on est en version 1.8. D'ailleurs, à préciser que le serveur ne fonctionne que en version 1.8.x, donc de la 1.8.0 à la 1.8.9. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être pour tout ce qui est PVP, vu que c'est le but un petit peu du serveur, les UHC. Je ne sais pas, mais je me suis réglé par plugin. Je parle en connaissance de cause. Donc je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je dis en connaissance de cause? Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que je suis développeur Java, Bugit, enfin Bugit Spygut. Et Ben Geeker accessoirement aussi. Donc voilà, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je sais très bien qu'on peut y régler par plugin. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et pour les petits malins qui font. Enfin, pas les petits malins, pardon. Pour les admins de serveurs qui souhaiteraient mes services de développement, c'est non. Je suis déjà suffisamment débordé comme ça. J'annonce tout de suite, parce que voilà. Principalement, quand tu dis que t'es développeur, tout de suite les mecs. Oui, fais-moi tel truc. Non. Alors, je m'énerve pas, hein, mais juste. Donc voilà. Il se fout de ma gueule là, le cochon. Ah! Ah! Oh, on a useless le truc! Bah, ça ne nous a pas servi à grand chose du coup, mais. On a useless le truc. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis mort du slime. Sauf que j'ai bugué sur le cochon et j'y suis resté. À mon respawn. Nice! C'est sympa comme bug. Oui, j'aime découvrir des bugs. Allez, allez, c'est parti. Bon, par contre, d'ailleurs, un petit truc chez mes développeurs de UHC Games me regardent. Et m'écoutent en ce moment. La musique, mettez-la en continu. Enfin, genre, faites-la pas s'arrêter. Genre, voilà, vous mettez le 10 pour l'arrêter et machin. Mais faites pas qu'on doit à chaque fois la redébarrer, c'est casse-couille. Merci! Débarrer la musique, c'est mal. Mais cette musique me dit un truc, je saurais pas vous dire quoi. Dites-moi également dans les commentaires, je me suis oublié quelque chose. Parce que moi, je ne vois pas. Alors allez, il nous reste 7 minutes pour atteindre la 3ème place. Sachant qu'un poulet saoulé nous a volé la première, je pense que on n'arrivera malheureusement pas dans le podium cette fois-ci. À la game d'avant, on est à fini second, ce qui était plutôt un bon score, hein, comparé à ce que vous pouvez penser. Mais je pense que, ouais, on ne terminera pas sur le podium. Et moi, je mets là, on est chanceux sur les derniers. Genre qu'il n'y ait pas ça. Et la résistance infinie. C'est pas possible. Ah, GG à Pikmin. Banni for cheating. Le cheat c'est mal. Ne l'oubliez pas. Achetez-vous une nouvelle souris. Je rigole. Non mais les mecs, à un moment donné. Quoi que vous pourriez dire, la moindre excuse. Dégagez. Ouais. GG monsieur Loupi. Loupi, pardon. Qui a terminé second. Et je pense que un poney saoulant ou Tom, quand je dis Tom c'est Tommy, et que Tommy Gamer vont nous voler la troisième place. Et pendant ce temps, un joueur quitte la partie. Allez, tac, tac, tac. Oh putain. Là on a eu. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que c'est bloqué. On a eu des explosions de TNT et du coup, bon. Go. Oh putain. Pas péter ça? Non. Ça aurait été trop beau. Ah, quoique, t'es lac. Et t'as un bloc, mais bon, comme vous pouvez le voir, moi, un bloc, je n'ai réussi à me faire troll. Après tout, pourquoi pas. Eh.
on a stoppé tout le match. Tout le match. Je crois qu'on arrive en même temps avec Zolak. Non. J'ai terminé 3ème. 10 minutes, 28 secondes. Blé, blé. Voilà, j'ai totalement massacré The Lac. Je te l'ai rect, on peut le dire. Je te l'ai défoncé. Donc voilà, donc on aura fait second sur la première game et troisième sur la seconde. Ce qui est pas mal. Parce que sachez que moi je suis très nul à tous les mini-jeux. Regardez mes anciennes vidéos pour voir ça. Voilà. Voilà. Donc sur ce, bah, je crois que cette vidéo est terminée. Ça fait une petite demi-heure que nous sommes ensemble approximativement. 29 minutes 24 secondes pour être précis. Oui, j'ai un chrono à côté de moi. Vous ne serez pas prêt sur YouTube, c'est pas la peine de regarder. Donc voilà, je pense que cette vidéo est terminée. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine.